Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette session d'apprentissage. Je suis Djana Touna Florent, enseignant d'informatique. Nous allons commencer notre session avec la correction du devoir qui a été laissé à la leçon précédente. Alors, de quoi il était question? Je vais lire l'énoncé. Écrit un script permettant à un utilisateur de saisir son année de naissance, puis calcule et affiche son âge dans une page web. Bien. On va donc commencer par écrire les balises nécessaires, puisqu'on parle d'une page web. On va donc écrire HTML head. Vous connaissez ces différentes balises. Ensuite, on va donc écrire la balise liée au script, avec script language égale JavaScript. Et puis, la première chose qu'on doit faire, c'est donc de demander à l'utilisateur de saisir son année de naissance. On va donc récupérer cette année de naissance, mais en récupérant avec prompt, on va convertir, parce que nous avons vu à la leçon précédente que lorsqu'on lit une donnée au clavier qui n'est pas une chaîne de caractères, il faut absolument la convertir. Voilà pourquoi on va donc utiliser ici pass int, parce que l'âge est un entier. On va donc dire pass int et on va affecter cela à la variable a. Alors, pour faire simple, pour calculer donc l'âge, on va donc faire l'année en cours, qui est l'année 2022, moins l'année de naissance qui a donc été saisie par l'utilisateur. Ça va donc donner l'âge, puisque si l'utilisateur saisit par exemple 1990, pour prouver son âge, on va donc faire l'année en cours qui est 2022 moins 1990. Ça va donc donner son âge. Et puis, on va afficher le résultat avec l'instruction document.write. Vous avez plus âge plus 1. Donc, si je prends l'exemple de 1990 de tout à l'heure, ça veut dire qu'on aura document.write. On aura donc le message à l'arrivée. Vous avez 32 ans. Voilà, parce qu'on va faire 2022 moins 1990, ça donne 32. Voilà. Ce qui reste à faire, c'est donc de fermer la balise script, fermer la balise head, body slash body, puis slash HTML. Voilà donc ce qu'il fallait faire. Place maintenant à la leçon 10. Qui porte sur les structures alternatives en JavaScript. La leçon va donc se décliner en plusieurs articulations, parmi lesquelles les objectifs, aussi les ressources que vous devez avoir, que vous devez mobiliser pour suivre sereinement la leçon. On va vous présenter un problème qui va nécessiter la présentation des concepts avant d'être résolu. Une fois que le problème sera résolu, on va traiter un exercice d'application et puis vous aurez un devoir à faire. Bien. À la fin de cette leçon, vous devez être capable d'utiliser les structures alternatives dans un script, JavaScript. Cela suppose donc que vous êtes déjà capable d'utiliser les structures alternatives dans un algorithme pour s'assurer que tout le monde se souvient de ces structures alternatives dans un algorithme. On va donc lire l'énoncé suivant.
Pour être électeur au Cameroun, il faut être âgé d'au moins 20 ans. Choisis l'écriture algorithmique qui permet d'illustrer cette situation. On a donc trois propositions. La proposition A, la proposition B et puis la proposition C. On a donc à la proposition A, on a si âge égale 20, alors peut voter. À la proposition B, tant que âge inférieur égale à 20, peut voter. Et puis à la proposition C, nous avons si âge supérieur ou égal à 20, alors peut voter. Alors, en lisant l'énoncé, on a dit qu'il faut être âgé d'au moins 20 ans. D'au moins 20 ans. Cela voudrait donc dire qu'il faut avoir 20 ans en montant, pour parler simplement. Ou alors, avoir un âge qui est supérieur ou égal à 20. Et quand nous regardons donc les différentes propositions, on voit bien que la proposition A ne peut pas marcher puisque là-bas, on a âge égal 20. La proposition B ne peut pas aussi marcher parce qu'on a plutôt là-bas âge inférieur ou égal à 20. On peut donc voir que c'est la proposition C, puisque en C, on a si âge supérieur ou égal à 20, tel que on a expliqué. Donc, c'est la proposition C qui est donc correcte, qui illustre cette situation. Bien, je vais donc lire à présent la situation problème. Pour gérer facilement vos résultats à la fin d'un trimestre, votre professeur principal voudrait ajouter dans une page web une interface qui demande la moyenne d'un élève donné et affiche un message pour dire s'il est admis ou alors refusé. Très occupé, il vous confie cette tâche. Alors la consigne, c'est d'utiliser une structure alternative pour écrire un script JavaScript permettant à votre professeur d'atteindre son objectif. Bien, on va donc résoudre ce problème après la présentation du contenu du cours. On se pose donc la question, à quoi sert une structure alternative? Vous avez certainement vu, vous avez vu cela en algorithmique déjà. Ça ne va pas changer. Donc, une structure alternative va donc permettre d'exécuter une liste d'instructions sur la base d'une condition. Alors, une condition. C'est-à-dire que c'est la condition qui sera vraiment au centre. C'est la condition qui va déterminer si on doit exécuter ou pas. Une condition, c'est donc une expression booléenne constituée d'opérateurs et de données. Quand une expression booléenne, cela voudrait dire que sa valeur est soit vraie, soit la valeur faux. Alors, comme nous sommes en programmation, et la programmation est essentiellement en anglais, on ne va pas dire vrai, bien faux. Donc, ce sera en JavaScript plutôt true ou alors false. Alors, quels sont les différents types d'opérateurs qu'on peut rencontrer, On a les opérateurs arithmétiques, que vous connaissez certains, plus que vous connaissez moins, la multiplication avec l'astérix, nous avons la division, nous avons la puissance, et puis nous avons l'opérateur poussant. En fait, poussant ici, c'est le modulo, c'est-à-dire le reste de la division d'un nombre par un autre. Ça veut dire que si je dis 5 modulo 2, ça veut dire que je cherche le reste de la division de 5 par 2, ce qui va donc donner 1. Et on a plus, c'est l'incrément, ça veut dire que c'est cet opérateur qu'on va utiliser pour faire l'incrémentation, vous connaissez déjà, ça veut dire ajouter 1 à la valeur d'une variable. Et puis, nous avons l'opérateur semblable au décrément avec moins qui sera utilisé pour retirer, pour soustraire 1 à la valeur d'une variable. On pourra aussi avoir les opérateurs de comparaison. Donc ici, il faut bien voir la notation. On a supérieur qui ne change pas, supérieur ou égal, il faut bien voir la notation. Inférieur, on a inférieur ou égal, on a égal. Donc, égal, ici, il faut remarquer qu'on a écrit le symbole égal deux fois. C'est pour marquer la différence entre l'affectation, parce que l'affectation, c'est égal. Donc, pour l'égalité, on ne peut plus écrire égal encore, sinon il y aura confusion. Donc, l'égalité, c'est égal. Et puis, nous avons différents deux, qui s'écrit donc point d'exclamation
égale. On a par exemple cette condition 5 égale 5. Ça, c'est une condition. Alors, on disait tout à l'heure qu'une condition est une expression booléenne. Quelle est donc la valeur de cette condition? Puisque 5 est égal à 5, la valeur de cette condition est donc true. C'est donc true. Et puis, on pourra aussi rencontrer les opérateurs logiques. Donc là, il faut bien regarder, il faut bien voir la notation. Donc, entre parenthèses, nous avons la lecture. On indique comment est-ce qu'on lit les symboles. On a donc deux « et » commerciaux, ça se lit « et ». On a deux barres verticales qui se lisent « ou » et puis le point d'exclamation qui se lit « non ». Nous avons cet exemple de condition où on a 5, on va donc lire ça comment, 5 différent de 6 et 8 inférieur ou égal à 8. C'est donc une condition. Bien, on va donc passer maintenant au type de structure alternative. On va donc rencontrer deux types de structures alternatives. L'alternative réduite, qui va commencer avec if, donc c'est si en anglais, donc if. Et puis on aura l'alternative complète, if, point, 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 else, pour dire si, sinon, que vous avez vu en algorithmique. On va donc voir pas à pas comment est-ce qu'on va utiliser l'alternative réduite dans un premier temps. Quel est donc le rôle de l'alternative réduite? Elle va donc permettre, l'alternative réduite, d'exécuter une liste d'instructions lorsque la condition fixée est vraie. Ça veut dire que si la condition n'est pas vraie, on n'exécute pas cette liste d'instructions. Alors, comment est-ce qu'on va écrire, une alternative réduite? On a donc la syntaxe, on a if, en parenthèse, on écrit la condition. Accolade, on écrit la liste d'instructions et puis on ferme l'accolade. Donc, en fermant l'accolade, c'est pour dire que seule la liste d'instructions située entre les deux, entre les accolades, est concernée par la condition. Ce que ça veut dire. Donc, on teste la condition, si elle est vraie, on exécute donc cette liste d'instructions. Si la condition n'est pas vraie, on ne l'exécute pas. On a donc ce petit exemple, juste illustratif, on a par exemple if moi pour dire la moyenne supérieure ou égale à 10 à l'aide admis point virgule, on ferme l'accolade. Ça veut donc dire que pour exécuter l'instruction à l'aide admis, il faudrait que la condition soit vraie. Si la condition n'est pas vraie, on n'exécute pas cette instruction là. On a un exemple plus complet maintenant, c'est d'écrire un script qui calcule et affiche dans une boîte de dialogue, la valeur absolue d'un nombre. Voilà. Donc, tout le monde sait comment la valeur absolue est définie. Ça veut dire que lorsque le nombre est négatif, on le multiplie par moins 1. Dans le cas concret, on ne fait rien. On ne change pas le signe du nombre. On va donc écrire script, language égale JavaScript. Et puis, vous êtes déjà habitué à ce type d'instruction. On a donc un on affecte pass float. En parenthèse, prompt, saisit un nombre. Donc ici, on va demander un nombre à l'utilisateur. Et comme on a dit, comme c'est un nombre, on doit le convertir. On doit le convertir avec pass float. Et ça devient donc la valeur de la variable n. Et puis, on a utilisé une autre variable, val, à la variable val. À laquelle on affecte donc n, donc le nombre que l'utilisateur a fourni. On teste n, comme on disait tout à l'heure. Si n est donc plus petit que 0, qu'est-ce qu'on fait? On va donc multiplier n par moins 1 et on affecte à val. Donc, ça veut dire qu'on va multiplier le nombre par moins 1 uniquement lorsqu'il est plus petit que 0. Quand il n'est pas plus petit que 0, on ne va pas le multiplier par moins 1. Et puis, on peut donc afficher le résultat dans une boîte de dialogue. Donc, ici, on va écrire alerte, la valeur absolue est, on ferme les quotes, plus val. Et puis, on ferme la balise script. Donc, vous voyez que ici, on a donc utilisé la structure alternative réduite. La voilà qui est encadrée. If n inférieur à 0, accolade, à val, on affecte n multiplié par moins 1. Et puis on ferme l'accolade. Donc voilà donc la structure alternative réduite
qui a été utilisé dans ce script. Bien. Nous allons passer à présent à l'alternative complète. L'alternative complète. À quoi ça sert? Quel est le rôle de l'alternative complète? Il s'agit donc d'une instruction qui permet d'exécuter une liste d'instructions ou alors une autre liste d'instructions selon que la condition fixée est respectivement vraie ou fausse. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça? Ça veut donc dire qu'on va prévoir deux listes d'instructions. On aura une liste d'instructions lorsque la condition fixée est vraie et on aura une autre liste d'instructions dans le cas concret, c'est-à-dire lorsque la condition fixée sera fausse. Alors, comment est-ce que cela se traduit en termes de syntaxe? On aura donc la syntaxe if, on écrit la condition entre parenthèses, accolade, on a donc liste instructions 1, pour dire la première liste d'instructions qu'on a prévue. On ferme l'accolade et puis on va écrire else, pour dire sinon else, on va donc aussi écrire une autre liste d'instructions, la liste d'instructions 2, toujours entre accolades. Donc ici on prévoit ce qu'on va exécuter dans chaque cas. Donc on teste la condition, si elle est vraie, on exécute la liste d'instructions 1. Si la condition est fausse, on va plutôt exécuter la liste d'instructions 2. C'est ce que ça veut dire. Comme exemple, nous avons if, par exemple, if, vous voyez qu'on a remplacé la condition par moi supérieur ou égal à 10. Donc, c'est ça la condition ici. Moi, c'est pour dire moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu exécuter quand la moyenne est supérieure ou égale à 10? C'est l'instruction alert admit. Else, c'est-à-dire quand la moyenne ne sera pas supérieure ou égale à 10, c'est plutôt l'instruction alert refuser. Ça veut dire. Donc, ici, on a prévu ce qu'on va exécuter dans chaque cas. Ça veut dire que si je prends un cas, si la moyenne vaut par exemple 10, si la moyenne vaut 10, qu'est-ce qu'on va exécuter? Si la moyenne 10, vaut 10, la condition est donc à ce moment-là vraie. Et on va donc exécuter l'instruction alert admit. Ça veut dire qu'on aura une boîte de dialogue avec le message admit. Maintenant, si j'entre comme moyenne peut-être 8 et demi, on va donc tester est-ce que 8 et demi est supérieur ou égal à 10? La réponse est non. Donc là, la condition sera fausse. Et on va donc aller dans le else pour exécuter l'instruction alert refusée, qui va donc produire comme résultat une boîte de dialogue avec comme message refusé. Donc voilà donc, comment on va utiliser l'alternative complète. Nous avons un exemple complet maintenant. Écrire un script qui permet de déterminer si un nombre saisi par l'utilisateur est pair ou impair. Voilà, ça c'est l'énoncé. Cette fois-ci, on va nous écrire un script. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, bien sûr, tout le monde sait, vous savez qu'on commence un script avec la balise script, language égale JavaScript. Et puis, ce qu'on va faire, c'est de demander donc à l'utilisateur de saisir. Et s'il faut lui demander de saisir un entier, parce qu'on parle de nombre pair, impair, ça ne concerne pas les nombres avec virgule. Donc voilà pourquoi nous avons le message, saisir un entier, qu'on va récupérer avec prompt. Mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il faut convertir, parce que le nombre que l'utilisateur va fournir est considéré comme une chaîne de caractères. Il faut donc convertir avec la fonction de conversion, passe int. Et ça devient donc la valeur de n. Alors, pour savoir que c'est un nombre pair, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc utiliser l'opérateur. Tout à l'heure, quand je présentais les opérateurs, je vous ai parlé de l'opérateur modulo, qui se note %. On va donc regarder si le reste de la division du nombre par 2 est égal à 0. Si c'est égal à 0, on va donc dire que le nombre est pair. Donc, on va écrire if n modulo 2 égale 0. Remarquez bien qu'égal, c'est avec deux symboles. Égal, égal. Donc, if n modulo 2 égale 0, donc dans ce cas-là, c'est un nombre pair, on va donc afficher le message à l'aide de l'instruction document.write, nombre pair. Else, on n'a plus besoin de tester parce qu'un nombre qui n'est pas pair est impair. Donc, else, là, vous voulez dire que c'est un nombre impair. On va donc écrire l'instruction document.write,
nombre impair. On ferme l'accolade et puis on ferme la balise script. Donc ici, vous pouvez donc voir, voilà l'alternative qu'on a utilisée, l'alternative complète qui est encadrée, donc pour attirer votre attention. Donc if n modulo 2 égale 0, accolade, on écrit l'instruction prévue, else, accolade, on écrit l'instruction prévue. Bien. Il y a une remarque, deux remarques à faire. La première remarque, c'est de dire qu'il est possible donc d'imbriquer les structures alternatives les unes dans les autres. Cela voudrait dire quoi? Ça veut dire que dans une structure alternative, je peux encore avoir une autre structure alternative. Vous avez ceci, vous avez if condition, accolade, liste instruction. On ferme l'accolade, else. Vous voyez que dans le else, à l'intérieur, on a encore une autre instruction alternative, if condition 2. Accolade, liste, instruction. Donc là, on a imbriqué l'alternative réduite dans le else. Il faut bien voir. Donc, on pourra voir cela. Tout va dépendre de l'énoncé du problème. Et il faut aussi dire que vous pouvez vous organiser. C'est-à-dire qu'on peut écrire l'alternative réduite ou bien complète. Ça dépend de comment est-ce qu'on veut écrire son script. Donc, ça veut dire que pour un même problème, deux personnes peuvent avoir des structures alternatives qui ne sont pas de même type. Une personne peut utiliser l'alternative réduite, l'autre complète. Ça dépend de comment chacun va s'organiser. Et puis, la deuxième remarque, ça concerne les accolades. Donc, pour faire simple, nous avons à chaque fois utilisé les accolades. Mais il faut savoir, vous devez le savoir, que les accolades sont facultatives. Si la liste d'instructions exécutées n'est constituée que d'une seule instruction, ça veut dire que si dans votre structure alternative, vous avez prévu exécuter seulement une seule instruction, là vous êtes libre d'utiliser les accolades ou pas. Mais par souci de simplicité, on va toujours les utiliser. Bien. On va donc à présent revenir sur le problème afin de le résoudre. Je vais donc reprendre l'énoncé, rafraîchir la mémoire. Pour gérer facilement vos résultats à la fin d'un trimestre, votre professeur principal voudrait ajouter dans une page web une interface qui demande la moyenne d'un élève donné et affiche un message pour dire s'il est admis ou refusé. Très occupé, il vous confie cette tâche. Alors, comme consigne, vous êtes demandé d'utiliser une structure alternative pour écrire un script JavaScript permettant à votre professeur d'atteindre son objectif. Voilà, donc, le problème. Alors, comment est-ce qu'on va... On va donc se servir de, n'est-ce pas, des structures alternatives et on va utiliser une seule structure alternative. On va choisir. Donc, quand nous voyons le problème, on voit qu'il y a deux cas. Dans un cas, on doit afficher « admis », dans l'autre cas, on doit afficher « refusé ». Ça veut dire qu'il est judicieux d'utiliser l'alternative complète ici. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On va donc écrire, bien sûr, « script language » égale « JavaScript ». Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est de demander donc la moyenne d'un élève. On a donc, avec l'instruction en moi, on affecte « pass float » en parenthèse « prompt », moyenne de l'élève. On demande donc cette moyenne et on va la convertir grâce à la fonction de conversion « pass float ». Et ce sera donc la valeur de la variable « moi ». Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous disais tout à l'heure, on va donc tester, on va donc utiliser l'alternative complète. Donc, « if moi supérieur égal à 10 », alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Accolade, on écrit alert, admis, else. Else pourrait dire que la moyenne est inférieure à 10. Donc, à ce moment-là, on va écrire l'instruction alert, refusé. Avec les accolades, bien sûr. Et puis, on ferme la balise. Donc, on s'est donc servi de l'alternative complète. Nous allons à présent, regardez un exercice d'application, le premier.
Je vais lire l'énoncé. Écrit un script qui demande à un visiteur d'une page web son âge, puis affiche un message pour indiquer s'il peut voter ou non. À titre de rappel, pour voter au Cameroun, il faut avoir au moins 20 ans. Donc, il est question d'écrire ce script. Comment est-ce qu'on va s'organiser? Donc là encore, vous voyez que pour pouvoir dire si le visiteur peut voter ou pas, il faudra tester. Il faut absolument tester son âge. Voilà pourquoi on va donc faire appel à une structure alternative. Mais avant, il faut d'abord demander donc, l'âge à l'utilisateur, au visiteur de la page. Donc, on va écrire script, language égale JavaScript. À âge, on affecte pass int, le prompt, saisit votre âge. Ça veut donc dire que le message saisit votre âge va s'afficher dans une boîte de dialogue avec un champ de saisie. L'utilisateur va donc fournir son âge. Et en récupérant cet âge-là, on va convertir. Donc, voilà, chaque fois qu'on lit une donnée qui n'est pas un champ de caractère, il faut convertir. Et ici, comme l'âge est un entier, puisque l'âge n'a pas de virgule, on va donc utiliser la fonction de conversion passInt. Et puis, par la suite, on va donc tester, comme on disait tout à l'heure. Donc, if âge supérieur égal à 20, cette fois-ci, parce qu'on a dit qu'une personne peut voter lorsque elle a au moins 20 ans, ça veut donc dire âge supérieur ou égal à 20. Dans ce cas, on a donc alerte, vous pouvez voter. Else voudrait dire que l'âge est inférieur à 20. Donc, dans ce cas-là, on va donc afficher dans une boîte de dialogue le message « Vous ne pouvez pas voter ». Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, ici, vous pouvez voir donc, la structure alternative complète qui a été utilisée. Donc, ce qui reste à faire, c'est donc de fermer la balise. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ici, la meilleure approche, c'est d'utiliser l'alternative complète. Mais quelqu'un d'autre peut s'organiser autrement. Toujours avec l'alternative complète, on peut jouer au niveau de la condition. Bien sûr, ça, c'est la façon la plus simple. Mais quelqu'un d'autre peut écrire « if âge plutôt inférieur à 20 ». Il commence par là. « If âge inférieur à 20 ». Ce qui signifie qu'à ce moment-là, c'est plutôt l'instruction à l'aide « Vous ne pouvez pas voter » qu'on aura en haut. Maintenant, dans le « else », il va plutôt écrire « alerte, vous pouvez voter ». Donc, tout se joue sur la condition. D'autre part, quelqu'un d'autre peut utiliser deux alternatives réduites. Ça veut dire qu'il va écrire « if âge supérieur ou égal à 20 », accolade, alerte, vous pouvez voter. Il ferme l'accolade. Il n'écrit pas « else ». À la ligne suivante, il écrit encore « if âge inférieur à 20 ». If âge inférieur à 20, accolade, il va donc écrire à l'aide, vous ne pouvez pas voter. Donc ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités, mais cette solution proposée est la meilleure. C'est la solution, n'est-ce pas, optimale. On va donc passer à l'exercice 2. Je vais lire l'énoncé. Un magasin de vente des produits décide de primer ses meilleurs clients en leur accordant une remise qui est donc de 15% lorsque le montant des achats effectués dépasse 100 000. Écrit un script permettant d'ancrer le prix d'un article ainsi que sa quantité, puis calcule et affiche dans une boîte de dialogue le montant net à payer. Donc, ici, on a un script language égale JavaScript. On va donc déclarer une constante qu'on a appelée REM et qu'on va donner comme valeur 0,15, puisque 15% c'est 0,15. On va donc demander le prix. Vous savez déjà comment ça se passe. Donc, après, on affecte pass int, prompt, saisi, dans le prix de l'article. Acute pour dire quantité, on affecte pass int, prompt, le message quantité achetée. Donc, les deux variables auront donc le prix et la quantité achetée. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va donc calculer le montant. Donc, vous savez comment on calcule le montant. On va donc faire le prix multiplié par la quantité achetée. Et puis, on a notre variable net à payer. Donc, ici, on a utilisé les tirets de 8 pour éviter l'espace.
En être appelé, on affecte montant. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour qu'il bénéficie d'une remise, on va donc tester si le montant est supérieur à 100 000, tel qu'on a dit. Parce qu'on a dit dépasse 100 000. Donc, ici, on va écrire strictement supérieur à 100 000. Quand c'est le cas, on a donc en net à payer, on affecte quoi? C'est donc le montant qu'il devait payer normalement moins le montant multiplié par la remise. Donc, cela va permettre donc de calculer le net à payer. On ferme la collate et puis on affiche le résultat. Vous devez payer, on ferme les côtes, plus net à payer. Donc, le calcul sera fait et puis on va afficher le résultat dans une boîte de dialogue. On ferme la balise script. Vous avez donc ce devoir sur lequel vous allez réfléchir. L'eau a trois états, liquide, solide et gazeux. Elle est à l'état solide lorsque sa température est inférieure ou égale à 0 degré Celsius. Liquide quand sa température est supérieure à 0 degré Celsius et inférieure à 100 degrés Celsius. Et puis gazeux lorsque sa température est supérieure ou égale à 100 degrés Celsius. Écrire un script qui détermine l'état de l'eau. Les documents suivants ont été utilisés pour produire cette leçon et la prochaine leçon portera sur les structures itératives en JavaScript. On a tege minga matere nyom, on a tege majang matere ndom, mane tambia ninya ne njobyayen, ngani bana matere mot, ngani la kiri watere ndong, ese kina bia dinkido, mane tambia ninya ne njobyayen, tam tama mote tam zabike, tam tama tonge tam zabike, tam tam tama mote tam zabike. Mane tambia ninyane njubia yen.